Donc, je propose aujourd'hui de m'intéresser à la production de l'écrivain contemporain québécois François Blais, dont plusieurs des romans abondent de passages mettant en scène le web. Je me pencherai plus précisément sur le roman Document 1, paru en 2012, qui se présente comme un objet d'étude idéal pour interroger les interactions entre récit et imaginaire numérique. Donc d'abord, le web y est véritablement mis en récit, inscrit à même la trame narrative du roman. Je dirais même qu'il constitue le moteur de l'intrigue romanesque, aussi déceptive soit-elle. Ensuite, à travers la parole souvent ironique des narrateurs, le roman problématise, réfléchit en lui-même à de nombreuses questions posées par la présence du numérique aujourd'hui. Je commencerai donc par quelques mots sur le dit roman. Document 1 se présente comme le journal de bord des narrateurs Tess et Jude, deux adeptes du « tourisme en pantoufles », comme ils le disent, sur les routes de Google Maps, aspirant à devenir de véritables voyageurs. Bien qu'ils se plaisent à errer à travers l'Amérique virtuelle, ils se surprennent un jour eux-mêmes à décider d'enfin partir pour vrai, comme ils le disent aussi. Donc, ils planifient un voyage jusqu'à Bird in Hand aux États-Unis, une destination qu'ils choisissent au hasard, mais ils se confrontent rapidement à un premier problème, ils doivent trouver de l'argent. Donc, ils entreprennent de rédiger une demande de subvention au Conseil des arts en empruntant le nom de Sébastien Daou, un écrivain de schnout expérimental, pour employer les mots de la narratrice, recyclé en faiseux de chaloupe, encore ces mots, et désabusé. Maintenant, il n'est plus écrivain. Mais bien qu'ils obtiendront finalement l'argent demandé, ils dilapideront rapidement le tout et ne se rendront pas plus loin que Trois-Rivières, à quelques dizaines de kilomètres donc de chez eux. Si le roman s'annonce être un récit de voyage, le périple n'aura donc jamais lieu. Le récit se construisant plutôt sur une série de digressions, de tests, qui dissertent tantôt sur les circonstances historiques ayant donné à sa ville le nom ridicule de grand-mère, ou tantôt sur les différents protocoles de rédaction de maisons d'édition québécoises. Celle-ci avertit d'ailleurs son lecteur, et je la cite, que s'il veut un bouquin où il se passe quelque chose, donc qu'il aille acheter ceux de Josh Grisham ou de Mary Higgins Clark et qu'il la laisse digresser en paix. Donc, bien que le voyage et le logiciel cartographique sont évidemment centraux dans le roman, je propose plutôt aujourd'hui de me pencher sur d'autres représentations, manifestations du web dans le roman et d'interroger le rapport au réel qui s'en dégage. Je regarderai d'une part comment le web structure, d'un point de vue narratif et formel, le récit, et d'autre part, je m'intéresserai à la manière dont la surabondance d'informations tirées de la toile semble créer l'effet d'un véritable excès de réel. Ça m'amènera finalement à formuler quelques conclusions et hypothèses sur ce que peut être la littérature dans l'œuvre de François Blais. Donc, si le numérique apparaît aussi structurant dans le roman, c'est qu'il constitue à la fois le cadre de perception, et l'univers de référence des narrateurs. Comme l'ont souligné déjà certains critiques, plutôt qu'un véritable voyage, les narrateurs nous proposent une trajectoire dans l'univers éclectique du web. Mais non seulement ceux-ci explorent le monde via la fenêtre de leur navigateur, mais l'écran est le lieu où est produit ce roman qui se montre en train de s'écrire. Parce qu'avec Document 1, tous les codes du roman traditionnel sont mis à mal. Les narrateurs exhibent la fraude inhérente à tout pacte de lecture en affirmant leur toute-puissance narrative et ne cessent d'interpeller leurs lecteurs, et ce, je cite, « quand bien même serait-il une créature théorique ». Donc, dans le Document 1, le lecteur a l'impression d'assister à l'écriture sur une page de traitement de texte du roman qu'il est en train de lire. Il l'apprendra d'ailleurs dans la moitié du récit. Document 1, c'est le titre qui a été donné à la page Word que Tess a ouverte lorsqu'elle a entamé l'écriture de son ouvrage. Et je cite, « Après avoir vaqué à mes petites occupations, je me suis préparé une théière, me suis assise devant l'ordi et lancé Microsoft Word, qui a pris sur lui d'intituler notre œuvre Document 1, mais ça ne restera pas de même, et j'ai entrepris de rédiger le récit que tu es en train de lire. » Donc, Document 1 apparaît alors comme une œuvre animée par le processus qui la construit, interrogeant l'environnement qui la compose et dont elle provient. À travers ses commentaires et sa manière de raconter son projet d'écriture au fur et à mesure qu'il s'élabore, Tess fait même en sorte que le temps du récit semble parfois en parfaite adéquation avec celui de l'écriture. Si tu me donnes 2 minutes, je devrais être en mesure de dénicher dans le web un quelconque test de personnalité que je compléterai sous tes yeux, dit-elle notamment lorsqu'elle prend pour partie de se présenter à son lecteur. Une phrase qui est immédiatement suivie d'un « Ah, celui-ci me semble tout à fait approprié ». Donc, la narratrice, feignant de demander au lecteur de lui octroyer un petit peu de temps, semble rompre momentanément le fil de son écriture. Ce faisant, le texte met en scène la rapidité avec laquelle on peut accéder à du contenu sur le web. L'écriture mime cette possibilité de passer d'une fenêtre à l'autre, d'accéder à de l'information en quelques clics. C'est non seulement le même temps, mais aussi le même espace que Tess feint de partager avec son lecteur.
Elle dit d'ailleurs remplir son questionnaire sous les yeux du lecteur, créant l'impression d'une véritable proximité avec celui-ci, malgré la communication évidemment différée, comme s'ils partageaient le même univers. Le cadre de perception du roman, c'est donc celui permis par l'interface. Le lecteur a l'impression de voir le roman s'écrire derrière l'écran. Loin des images romantiques de l'écrivain, c'est davantage d'utilisateurs ordinaires que nous présente le roman de Blais. Il s'y élabore, quoique implicitement, un pack de référentialité, pardon, Tess et Jude puisent à même la réalité du lecteur pour élaborer leur récit. Donc, si cette mise en scène de l'écriture m'intéresse tout particulièrement, c'est qu'elle justifie et légitime sur le plan narratif l'inscription dans le roman de morceaux de texte appartenant au numérique. En effet, les narrateurs n'hésitent pas à pratiquer massivement le copier-coller, à s'approprier des textes tirés du web et à travailler leur propre récit à partir de ceux-ci. En cela, le web apparaît comme un élément formel structurant, et ce, d'autant plus qu'il s'y inscrit même visuellement. C'est le cas ici, dans cet extrait, où Tess recopie et commente les qualités requises pour être considéré comme un artiste selon le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, je ne vous lirai pas l'extrait au complet, mais je vous le montre parce que c'est la disposition qui est plutôt éloquente à mon avis. Donc, on voit que Tess juxtapose sa parole à un texte déjà existant. La différence entre les deux est bien marquée puisque ce qui provient du site du Conseil des arts est en italique et Tess ajoute sur le côté, entre parenthèses et sans les italiques. Il est donc évident dans la mise en forme même, là, dans la typographie, aussi avec la liste en quatre points, que du texte tiré du web devient la matière même de l'écriture de Tess. Et elle ne nous ment pas, parce que le passage est d'ailleurs facilement retraçable encore aujourd'hui, là, le texte est paru en 2012, sur le site du Calque, comme le sont d'ailleurs presque toutes les références au web. On peut facilement les retracer. Bref, Tess copie-colle, puis commente et ajoute. À d'autres moments, c'est même des morceaux de textes d'autres écrivains qui s'approprient le narrateur. Dans un chapitre portant sur la scène littéraire de la ville de Grand-Mère, le roman présente plusieurs extraits de textes disponibles gratuitement sur Internet. Ce que ce chapitre met en relief, tout comme l'extrait que je vous ai présenté, c'est que c'est une véritable pratique du collage que nous propose par moment le roman de François Blais. Celui-ci accueille différentes voix, différentes paroles, s'ouvrant même à une multiplicité de registres discursifs. Ainsi, l'avancement de l'intrigue dépend-elle aussi de discours autres, étrangers à la parole des narrateurs. Dans un ouvrage rassemblant une série d'essais intitulé « Uncreative Writing, Managing Writing in the Digital Age », l'écrivain et professeur Kenneth Goldsmith s'intéresse à une nouvelle pratique permise par l'univers numérique et prend une pratique d'écriture qui serait justement fondée non seulement sur l'emprunt, mais sur la copie et le plagiat. Je le cite, « S'il s'agit de simplement copier et coller l'entièreté d'Internet dans un document Microsoft Word, ce qui devient important, et c'est que vous, l'auteur, choisissez. » Puis, un peu plus loin, il dit que, et je cite encore, « Alors que les conceptions traditionnelles de l'écriture sont principalement fondées sur l'originalité et la créativité, l'environnement numérique favorise de nouvelles compétences telles que la manipulation et la gestion de la quantité de langage déjà existant et en constante augmentation. » Alors que l'écrivain, aujourd'hui, doit faire face à une prolifération de mots, il peut utiliser cela de manière inattendue pour créer des œuvres aussi significatives et expressives que celles construites de manière plus traditionnelle. Donc, évidemment, pour ceux qui connaîtraient sa pratique, la démarche que met de l'avant Goldsmith est loin de ce que nous livre François Blais dans Document 1. Il ne s'agit pas de proposer une écriture sans écriture pour employer la traduction que propose François Bon du syntagme « uncreative writing », mais plutôt simplement quelques copier-coller ludiques. Mais néanmoins, ces compétences de manipulation et de gestion du texte dont parle Goldsmith, il me semble que les narrateurs de François Blais les mettent en scène parfaitement. S'improvisant écrivains et fouillant dans le web, ils deviennent aussi des compilateurs, ou pour reprendre une autre expression de Goldsmith, des « language hoarders », ce qu'on pourrait maladroitement traduire par des accumulateurs de langage. Le roman force alors à se questionner sur la nature même de l'écriture littéraire, qu'est-ce que devient la création si l'on peut emprunter les mots des autres et les intégrer à la trame narrative de sa propre œuvre. Il me semble surtout que l'un des éléments qui fait la singularité de ce roman de Blais, c'est alors effectivement la manière dont il copie puis manipule d'autres discours pour produire une originalité. Sur le plan de la forme comme sur celui de l'énonciation, je dirais alors que Document 1 revendique non seulement une hybridité, mais une véritable impureté textuelle et formelle. Cette tendance au copier-coller, elle justifie d'ailleurs dans le roman l'intrusion de textualité appartenant à l'univers numérique, dont la manifestation la plus évidente m'apparaît être l'URL.
Donc, de nombreuses adresses web sont effectivement introduites à de nombreuses reprises dans le roman, presque toujours en parenthèse, puis là, je vous en ai mis quelques exemples. Elles apparaissent comme des invitations au lecteur à s'aventurer de son côté dans le web pour poursuivre la recherche, pour aller vérifier les informations. Tu ne me crois pas, va voir, n'hésite d'ailleurs pas à ajouter test lorsqu'elle introduit à son lecteur la poésie de Paul Doyon, c'est dans le troisième extrait ici. Aussi, le roman de Blais peut être un roman qu'on lit en levant la tête, en rejoignant les parcours des narrateurs ou en allant voir sur le web ce que ceux-ci nous incitent à les retracer. Je n'oserais pas pour autant dire qu'il prévoit ou programme nécessairement une telle lecture. C'est-à-dire que le roman de François Blais reste après tout un roman papier dont la forme invite nécessairement une lecture linéaire et dont la suite ne dépend donc pas des actions que ferait ou non le lecteur. Avec ses URL, il y a intrusion dans le roman d'une textualité qui reste en quelque sorte étrangère à son environnement. Il y a intrusion d'une textualité numérique sur support papier. Comme le résumait plutôt bien René Audet dans un article où il s'intéresse à certaines œuvres narratives numériques, l'hyperlien a pourtant permis d'ouvrir le récit à une foule de possibilités. Il nous dit, et je cite, que le lien s'est révélé pour plusieurs créateurs un facteur décisif de rupture avec les modèles discursifs antérieurs. J'en pense un peu, était alors prôné la rupture de la rhétorique discursive, permettant ici une déstructuration narrative, là une problématisation de l'autorité à travers cette interactivité offrant au lecteur une supposée part au travail de l'écriture. Mais toutes ces possibilités rendues possibles par l'hyperlien, il me semble qu'elles ne peuvent s'appliquer ici. Dans Document 1, l'espace reste celui du papier, donc l'URL se retrouve en quelque sorte privée de sa fonction d'hyperlien, de sa dimension dynamique interactive. En dehors de l'espace numérique, la narration reste structurée malgré l'ajout de l'URL. L'activité du lecteur reste imaginaire, frauduleuse et ne revient pas mettre en question l'autorité narrative dans ce cas-ci, en ce qu'une participation reste sans effet sur le reste de l'œuvre. Pourquoi alors ces ajouts en parenthèse, c'est ce qu'on pourrait se demander. Eh bien, il me semble qu'ils ont tout simplement une fonction de référence. À travers les URL, les narrateurs renvoient à la source, localisent leurs informations, car ils ont, après tout, une véritable obsession pour la précision des informations. Autrement dit, sur le plan de l'information, comme valeur du texte, les narrateurs veulent montrer leur fiabilité. J'ai déjà mentionné l'univers de référence des narrateurs, c'est le web, et donc l'autorité à laquelle ils s'en remettent, c'est, comme ils le disent, notre mentor à tous, Google. Donc, je les cite encore. S'il nous arrivait de lancer parler pour parler, quelques questions dont la réponse se trouvait hors du champ de compétences pourtant très vaste de Google, genre « je me demande bien comment s'appelle la plus belle fille de Rouyn-Noranda », cela nous laissait rêver quelques instants, puis on finissait par dire « bah tant pis, on ne le saura jamais ». Le roman interroge certainement ce qui apparaît comme un mode de connaissance éminemment contemporain, de même que le statut des savoirs que l'on acquiert sur le web, comme le fait remarquer Sophie Marcotte dans un article paru en 2018. Donc, le roman de Blais propose une réflexion sur le discernement dont doit y faire preuve l'utilisateur, puisque comme elle nous dit, et je la cite, « il est facile de se perdre dans le trop-plein du web », car le roman nous montre effectivement que la ligne est mince entre la connaissance et l'érudition, le simple fait de pouvoir accéder à l'information via le web. Mais pour revenir à des considérations peut-être plus formelles, je voudrais montrer que ce trop-plein du web, il s'inscrit aussi textuellement dans le roman. En effet, les narrateurs introduisent une foule d'informations hétérogènes dans leur récit. Dans Document 1, n'importe quel détail, n'importe quelle donnée factuelle dénichée dans le web devient une information légitime et pertinente à inclure dans le roman. Donc, il s'agisse des services offerts par la Dolce Forge Valley Hotel à King of Prussia en Pennsylvanie ou des carrières artistiques des membres de la dynastie littéraire grand-méroise des Décoteaux. Tous les sujets et détails chez François Blais semblent mériter une attention particulière de la part de la narration. On a un faible pour les informations pas très utiles, écrit d'ailleurs Tess. Ainsi, le roman cumule-t-il les faits futiles et ce, à l'excès. Donc, les lieux qu'ils traversent lors de leur voyage sur Maps deviennent d'ailleurs de véritables amas d'informations et de données, en ce qu'ils sont souvent représentés même quantitativement par des séries de faits, de chiffres, de précisions, comme dans cet exemple ici. Je vous cite, « On longe l'Interstate 80 vers le Colorado quand un nom accroche notre regard, Cozad. C'est quoi ça, Cozad? » demandons-nous à Wikipédia, qui nous répond Daredare qu'il s'agit d'une ville du comté de Dawson comptant 4316 habitants, selon le recensement de 2000, et dont la principale particularité, sinon la seule, est d'être située pile-poil sur le centième méridien. Donc, les lieux s'en retrouvent alors peut-être paradoxalement déréalisés,
car les informations s'empilent, se mêlent à la trame narrative, mais en en débordant dans une forme d'hyper-réalisme qui finit par donner peut-être moins un effet de réel qu'un excès de réel. À la lecture, le texte fait vaciller l'adéquation entre le monde de la fiction et le monde du lecteur. Le réel se présente sous le signe de la démesure et le lecteur se trouve dans son activité de reconnaissance, nécessairement dépassé par cette surenchère de référence. Dans le roman, les nombreuses listes que copie et que crée le narrateur constituent certainement un moyen esthétique de rendre compte de cet excès. Or, certaines d'entre elles pointent aussi vers une dimension qui m'apparaît structurante dans le roman, soit celle de la dérision. Dans son rapport à la connaissance et au savoir, le roman de Blais présente une forme d'encyclopédisme, mais un encyclopédisme déluré, loufoque, ce qui le rapproche d'ailleurs peut-être des fictions encyclopédiques dont parle René Audet autour des romans de Dickner, de Canty ou d'Éric Plamondon, par exemple. Mais cela aussi, il me semble que Blais le pousse à l'excès. Plusieurs passages du roman se font encyclopédie du ridicule, encyclopédie ludique, en ce qu'il s'amuse à recenser les informations les plus amusantes que l'on peut retrouver sur le web. Donc, la narratrice teste, mais liste à un moment les toponymes de villes les plus ridicules des États-Unis. Dans un autre passage qui s'étire sur près d'une page entière, elle rassemble en une énumération tous les sujets les plus farfelus qu'un utilisateur du web est susceptible de rencontrer. Donc ici, je vais me permettre de vous en lister quelques-uns. On a par exemple le syndrome de Cotard, dont sont atteints les gens qui s'imaginent ne pas exister, le problème de la sexualité entre les hommes et les sirènes dans la littérature, l'axinomancie ou comment lire l'avenir dans les haches ou la religion en Antarctique. Donc, l'effet, s'il est certainement celui d'un trop-plein, j'insisterai sur le fait qu'il est aussi comique. Car dans Document 1, le web apparaît comme une source infinie de trivial, mais surtout de dérisoire. En cela, il devient en matière même que semble travailler ma narration pour rigoler et pour faire rigoler. Avec François Blais, tous les éléments semblent effectivement converger vers une visée, celle d'une littérature qui serait profondément ludique, où le ridicule ou même tout ce qui semble ne pas avoir sa place en littérature trouverait un espace. La littérature, qu'on pourrait dire sérieuse, est d'ailleurs à maintes reprises mise à mal dans le roman. Ainsi, la fiche technique de la voiture Chevrolet Monte Carlo que Tess et Jude se procurent, est présenté par Tess comme, je la cite, de la poésie contemporaine ou un film d'espionnage, puisqu'on n'y comprend rien, mais que c'est beau par moments. D'une manière semblable, lorsque Tess nous donne à lire le menu du restaurant auquel elle se rend avec Jude vers la fin du roman, elle prend encore une fois la poésie comme point de comparaison. Je la cite encore. « Les mots pour les mots, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je fais toutefois une exception pour les menus de restaurant. Moi qui préférerais laver le plancher à quatre pattes plutôt que d'ouvrir un bouquin de poésie, j'irais au restaurant uniquement pour me délecter des descriptions de plats. » Et là, ensuite, s'ensuivent la description de tous les plats du restaurant, tel qu'elle l'a trouvé sur le site web du resto. On sent là, évidemment, l'ironie de la narratrice. Mais elle s'en prend néanmoins ouvertement à une certaine conception de la littérature. Donc, pour conclure, je dirais donc que si la surréférentialité que permet l'accès au web inscrit le roman dans une forme d'hyper-réalisme et d'encyclopédisme, elle est surtout un moyen par lequel le roman parvient à revendiquer une littérature qui ne se prend pas trop au sérieux. Document 1 met de l'avant une impureté, une hybridité formelle, tout en déhiérarchisant souvent sur le mode de la dérision ou par l'ironie les savoirs. Merci.